Bonjour les amis, Marjorie aujourd'hui, on est jeudi. Et voilà, donc je profite de ma semaine de break avant d'attaquer ma saison. Parce que la saison va commencer la semaine prochaine pour moi, parce que c'est parti pour 6 mois intensifs. Et voilà, j'ai une semaine de battement. Alors j'en profite bien sûr pour aller me baigner, ça c'est évident, dès que j'ai du temps, comme aujourd'hui. Alors ça paraît nuageux, il n'y a pas trop de soleil, quand je me suis baignée, il n'y avait pas trop de soleil. Mais bon voilà, peu importe, ça fait tellement bien, soleil ou pas. Et ben, j'espère que vous aussi, vous avez du temps comme ça, vous ménagez pour vous. Je fais plein de choses cette semaine, on ne se rend pas compte, régler ses papiers par exemple, ça prend énormément de temps, régler les petits détails, les mutuelles d'entreprise que vous quittez, que vous reprenez. Ce matin par exemple, j'ai lu enfin le 5e volume de l'Arabe du futur, vous savez, de Riyad Sattouf. Je l'ai trouvé la dernière fois, j'ai pu faire une petite visite à la bibliothèque de Saint-Affrique. Et voilà, et donc je me suis pris... le 5e volume de l'Arabe du futur et j'ai toujours passé un aussi bon moment. Bon, voilà, par exemple, ça permet de faire ça. J'ai pris des philomags, je lis le magazine de cinéma, je suis allée au cinéma, je fais pas que lire les critiques et je suis allée me régaler avec les Trois Mousquetaires. Bon, moi j'adore les films de cap et d'épée, donc je suis pas trop, on va dire, je suis très très bon public, voilà. Et puis voilà, le cinéma, je vais profiter pour voir aussi quelques amis que je ne voyais plus, parce que bon, c'est sûr que le métier de serveuse, on est quand même un peu en décalé, hein. Alors cette semaine de break me fait le plus grand bien, et donc faire mon reset de la semaine, voilà, ça fait du bien. Comme d'habitude, je partage ça avec vous pour essayer de vous donner envie aussi de vous baigner le plus souvent possible. Et puis, si vous en avez l'occasion, parce qu'il faut quand même des rivières à côté de chez soi. C'est pas évident. Moi, je veux dire, dans le Berry, là où j'habitais, il y en avait des rivières, mais elles n'avaient pas la même couleur que dans l'Aveyron. Ça donnait pas trop envie de se baigner, mais bon. J'y allais quand même, hein. Mais l'été, du coup. Allez, hop, le petit plouf, comme d'habitude. Hein, bah oui, faut mettre la tête sous l'eau, hein, pour le petit lifting du visage, le petit lifting de la semaine. Enfin bon, je suis déjà tellement fatiguée que le petit lifting... Ouais, ça fait du bien, quand même. Quand je regarde les images, là, je suis en train de commenter en même temps, je regarde les images... Voilà, le mon bain, il a duré 10 minutes. Bon, j'en suis au stade où je rentre là-dedans. Bon, après, on est au mois d'avril, ça y est, l'eau n'est plus froide. Mais je sens plus trop le froid. C'est agréable, ça. De pas avoir cette barrière, de se dire, ah, ça va être dur. Bon, cet hiver, je l'ai quand même eu, hein, parce qu'il y avait 5 degrés l'eau. C'était quand même une barrière. Hein. Mais quand même, pas tant que ça. Là, je reste 10 minutes dans l'eau sans aucun problème, mais... Bon, l'hiver, c'était pas ça, hein. C'était plutôt de l'ordre de 4 minutes. Je sais pas si vous avez aussi. Deuxième pouf, deuxième ou troisième, je sais. Très important. Ah, s'immerger dans l'eau. Mon Dieu, est-ce que ça fait du bien. J'en profite avant que l'été arrive et puis que tout le monde se baigne vraiment parce que les gens, on n'en voit pas beaucoup dans les rivières. Hein. Vous en voyez au mois de juillet, août, ça c'est sûr, mais avant et après, on est un peu tranquille. C'est ça qui est pas mal. Voilà, le bain, maintenant je me baigne 10 minutes. Ça me... Voilà, 10 minutes. Mais qu'est-ce que ça fait du bien, cette eau fraîche sur la peau, le bon sang, qu'est-ce que ça fait du bien. Bon, voilà. Moi, les oiseaux, la rivière, un jeudi formidable. Et ce serait peut-être l'heure de sortir, tranquille. Bon, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Prenez soin de vous. J'espère que vous aussi, vous êtes allé au cinéma, que vous lisez un livre agréable en ce moment, ou des magazines sympas. Vous allez voir vos amis, être amoureuse, des gens qui comptent pour vous. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!